Quinn, Jack. Votre dernière mission a pour nom Classification Rouge. À 15h15, heure de Greenwich, 32 kg de plutonium ont été volés d'une installation nucléaire protégée par l'armée américaine en Croatie. Nous croyons que Stavros et son organisation vont les vendre à l'Irak d'ici 24 heures. Votre objectif est de vous assurer du retour du plutonium à notre base. Laissez passer. Il y a un appel pour vous, monsieur. Quinn est entré. Le moteur du XRT est en marche. La confirmation par satellite. Ça va être toute une balade. Quinn a 14 heures pour atteindre la frontière. S'il ne réussit pas, il devra remettre sa démission. Catherine, tu ne pourrais pas mettre ta vache ailleurs. Ce n'est pas une vache, Jack, c'est un cygne. Oh, je m'en fiche. C'est encombrant. Encombrant. Ton cygne est magnifique. Tu es magnifique. Oh, mais pas pour longtemps. Non, tu seras toujours sensuelle. Un peu plus ronde et un peu plus douce. Jack, le bébé, c'est bien ce que nous désirons. Ben oui. Bonjour, Jack. On ne vous a pas appris à frapper. C'était pas verrouillé, je me suis permis de faire comme Jack. Alors, vous m'avez retrouvé. Vous avions jamais perdu de vue. Dans ce cas, vous devriez savoir que j'ai pris ma retraite. Allons donc, vous n'êtes pas du genre à vous asseoir sur votre cul et admirer les couchers de soleil. Vous êtes un chasseur, Jack, admettez-le. Ce sport vous manque. Vous avez tort. Pour moi, c'est personnel. Alors que pour vous,
C'est politique. En politique, on amasse énormément d'argent. Des aubaines inespérées allant dans tout est politique. Maintenant, si vous permettez, nous allons passer aux choses sérieuses. Stavros, il a refait surface. Vous devez nous le ramener vivant. Nous voulons obtenir tous les renseignements qu'il possède, des noms, ses clients, c'est pour ça que nous avons besoin de vous. Depuis le temps que vous le poursuivez, vous seul savez comment il fonctionne, comment le repérer. Je vous en prie, Jack. Une dernière chance. L'équipe Delta est prête et ils vous attendent à Anvers. Vous prendrez votre retraite quand il aura pris la sienne. Est-ce que Quinn va venir ou non? Je l'ignore. Si jamais il a pris sa retraite, dans ce cas, nous changerons les plans, c'est tout. Avancez votre siège. C'est un peu coincé à l'arrière. Mais c'est généralement le cas à la CIA, non? Bon, vous allez poser ça de ce côté-là, Amy. Alors, comme vous avez démantelé quelques cartels de la drogue dans des pays du tiers-monde et que vous avez témoigné au Congrès, on vous a nommé sous-directeur. Au fait, je vous prie. Le fait est que vous n'êtes pas à la hauteur. Vous n'avez réussi qu'une chose, faire sortir Quinn de son repère. Un assez beau défi. Je descends ici. Oh, j'oubliais, je vous ai laissé un présent. C'est verrouillé. Mais d'où tu sors, hein? Dis-moi qu'il n'y aura pas de danger. Je veux que tu me promettes de revenir dans 36 heures. Où puis-je trouver Yaz? Wow, c'est sûrement douloureux. Ça, ça l'est. Cela aussi. Mais j'ai une préférence pour celle-là. Qui êtes-vous? M'appelle Yaz. Vous? J'espère que vous ne jugez pas les gens par leur apparence. Je n'aime pas ça. Votre coiffeur, il est daltonien ou quoi? Le rigolo qui se moque de moi a des chances de se retrouver la tête dans le trou de son cul. Je n'ai rien à foutre de votre orientation sexuelle. Trêve de plaisanterie. Comment vous appelez-vous? Jack Quinn. Si vous voulez danser, alors demandez-le, c'est tout. Je veux m'assurer que vous êtes bien qui vous dites. Eh bien, la légende en personne. Vous croyez que vous avez pris votre retraite, Jack? Waouh! L'atelier du Père Noël, peut-être? Alors qui c'est celui-là, Rudolf? Je n'ai pas de reine, mais j'ai les plus beaux lutins de l'Empire. C'est la boutique du parfait cambrioleur. Je m'occupe plus de parfait cambrioleur. Que de bons sujets, mon petit. Alors dites-moi ce que vous voulez. Vous allez sûrement trouver des choses que j'ignorais avant. L'offensive mène à la gloire.
Mais la défensive procure la victoire. Argent comptant, ou de l'or, mais... C'est la goupille, ça? Oh, merde. Par terre! N'accepte pas l'échec. Il y a aussi des règlements. Vous payez ce que vous brisez. Pigé. Messieurs, je vous présente Delta 1. Vous ne l'avez jamais vu ni connu. Je vous présente Monsieur Yamir. Il nous informe que Alpha a rendez-vous demain après-midi, quelque part ici. Un parc d'attractions. Qui sera mon tireur d'élite? Ce sera moi, monsieur. Est-ce que vous connaissez? Cette arme tire des fléchettes de tranquillisant. Pouvez-vous atteindre une cible à plus de 200 mètres? À 200 mètres, je peux facilement atteindre la bite d'un colibri. Stavros est très dangereux. Si vous affrontez son regard, il vous aura par derrière. Quand nous aurons identifié Stavros, mettez-vous en joue. Ne tirez qu'une seule fois. Deux fléchettes peuvent tuer un homme, trois un rhinocéros. Nous voulons Stavros libre. Remarquez bien le clone près du carrousel. Ne le perdez pas de vue. Bravo 1, nous avons repéré Stavros. Secteur nord, Mercedes grise, trois hommes en descente. Le chauffeur est resté au volant. Ne bougez pas, Bravo. Delta 2 et 5, rejoignez Baker. Les autres, ne bougez pas. D'accord, Delta 1. C'est trop facile. Je les ai dans ma mire. Je crois que c'est celui du centre. Je suis prête à faire feu. Ce n'est pas Stavros. Il est gauché. Alors, ne tirez pas. Pardon? Ce n'est pas Stavros. Le chauffeur. Il faut trouver le chauffeur. D'accord, nous partons à sa recherche, Delta 1. Allons, approchez, venez, venez tous. Approchez, messieurs, dames. Approchez. Nous surveillons la sortie. J'ai notre homme. Entendu. Près de la cage du tigre. D'où sort cette femme? Elle cache quelque chose sous son imper. Ça pourrait être une bombe. Mon Dieu. Je l'ai dans ma mire, Delta 1. Delta 2 et 5, en position, monsieur. Nous attendons les ordres. Delta 1? Qu'est-ce que vous attendez, Delta 1? Prêt à intervenir? Delta 1, nous attendons vos ordres. Nous pouvons l'arrêter, Delta 1. Qu'est-ce que vous faites? Sauvez-vous! Trop tard, le clown. Gardez votre position, Delta 3. Ah.
Que ce qu'il préférait avant tout, c'était de monter son poney et d'aller se balader les week-ends. Il adorait faire de l'équitation. Monty va manquer à ce cheval. Je suis un professionnel, Quinn. J'ai tué beaucoup de gens. Mais tous les enfants de chiennes que j'ai tués sont morts parce qu'ils le méritaient. Mon gamin n'avait que 6 ans, monsieur. Mon gamin n'était âgé que de 6 ans. Je dois venger sa mort, monsieur. Résidence à la colonie. Quinn, Jack Paul, né en 1959, est entré au service diplomatique à l'âge de 22 ans. Entraînement intensif, démolition, dépistage, contre-mesures psychologiques. Spécialité, antiterrorisme. Dernière mission, capturer Stavros. Segment vidéo A19. Lieu de la mission, Anvers.
L'agent Quinn avait la chance de capturer Alpha. Mais Alpha a pu s'échapper. Vous avez été indulgent. L'indulgence est un handicap. Mais grâce à vos compétences, vous serez assigné à la colonie. Non ! Si vous refusez de coopérer, Monsieur Quinn, vous avez une alternative. Le gaz neuroplégique est indolore et très efficace. Pourquoi vous donnez cette peine ? Vous êtes déjà mort. Du moins, c'est ce qu'on a dit à votre femme et à tout le monde ici-bas. Si vous voulez vivre, appuyez votre pouce sur le scanner près de la télévision. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Identité confirmée. Merci, Monsieur Quinn. Jack, vous avez fait le bon choix. Alex Goldsmite. Le percepteur? Vous avez été tué il y a 6 ans, non? Ah oui? Ça fait pas déjà 6 longues années? Oh. Eh bien. On fait une petite balade. Vous avez des amis qui aimeraient vous rencontrer. Allons, messieurs. Venez rencontrer le célèbre Jack Quinn. Heureux de vous revoir, Quinn. Moshe Levant, on vous a tué au Liban? Beyrouth, en fait. Alors tout le monde ici est un agent ou un ex-agent? Ou d'anciens ennemis? Nous sommes trop précieux pour être éliminés ou trop dangereux pour être mis en liberté. La colonie vous souhaite la bienvenue. Quinn. Stahl. D'accord, ça va. La violence ici est réprouvée. Je croyais l'avoir éliminé à tout ça. Dommage que vous n'ayez pas réussi à le faire. Un être détestable. Tenez, vous devez l'avoir au poignet tout le temps. Ça tient lieu d'alpha-page et de minuteur. Ça vous dit où vous devez être et pour combien de temps. Quand vous recevez un signal, vous devez y répondre. Nous sommes un réservoir d'idées, Jack. Nous sommes en contact avec tous les services chargés de faire respecter la loi. Nous analysons les incidents terroristes et nous recommandons les réactions que doivent provoquer les gouvernements impliqués. Nous sommes les dernières lignes de défense contre le terrorisme universel et personne ne sait qui nous sommes. Alors, qu'avons-nous au menu? Vous êtes prêts? Ce que vous voyez, ce sont les débris d'un 747 d'air mondial qui a décollé de San Francisco en route pour Séoul, en Corée du Sud. Les images en 3 dimensions que capte le générateur sont des signaux perçus sur les lieux de l'accident. Mettez les écouteurs. Et votre main sur le scanner, ne l'enlevez pas. Attention, nous recevons un message en provenance de Washington, D.C. J'ai reçu un bref communiqué du bureau du secrétaire de la compagnie Air Mondiale. Je ne répondrai à aucune de vos questions. Sur les 176 passagers qui se trouvaient à bord de l'avion, il n'y a eu aucun survivant. La CIA, dans son rapport, supporte la thèse selon laquelle les Nord-Coréens ont abattu délibérément et sans provocation l'avion. Le secrétaire de la compagnie soutient cette opinion et il transmettra sous peu un communiqué sur la réaction américaine. Les Coréens du Nord rejettent toute responsabilité pendant que le président américain consulte ses alliés. Jack, votre utilité consiste dans votre habileté à analyser et interpréter les données lors d'une situation critique. C'est pour cette raison que la colonie existe, Jack. Merci. Okay.
L'explosion est attribuée à un mauvais fonctionnement de l'avion. Disparu. Vous avez vu ? Nous venons de capter un message enregistré sur le vol 227 d'Air Mondiale. Centrale, un trafic non cédulé s'approche à 3, 2, 6 degrés à 8 heures. Je vais vérifier. Ça, par exemple, ce n'est pas de bon augure. Les Coréens possèdent la technologie. Quelqu'un a une alternative ? Est-ce que t'as vu quelque chose à 8 heures, toi ? J'attends. D'après l'écran cathodique, c'est impossible à déceler. Dans ce cas, nous allons confirmer le rapport. Moshe, vous y croyez, vous ? Je n'en suis pas sûr. Il ment. On voit bien qu'ils tentent de brouiller les pistes. Ils en connaissent davantage sur l'explosion. Réexaminons les images du satellite. Arrêtez. Qu'est-ce que c'est ? Mais c'est une ombre. Bingo ! C'est un AWACS. Non, c'est un F4, un Wizo. Recréer l'explosion avec cette nouvelle possibilité. S'il volait tout près du 747, il a pu ne pas être détecté. Les Nord-Coréens ont capté le F4 sur leur radar. Mais ils ont abattu par erreur le 747. Les Américains se servaient du Jumbo Jet comme couverture pour un vol de reconnaissance. Les Américains se sont servis du 747 afin de pouvoir surveiller leur base militaire. C'est brillant. Excellent, Jack. Des rayons laser sous la surface de l'eau. Des rayons laser ? Ils sont à un mètre sous la surface de l'eau. Enclenchés, les rayons détruisent tout au contact. C'est les rayons ou le courant sous-marin. Ils ont pensé à tout, comme vous voyez. Personne n'a réussi à s'échapper. Personne ? Personne. Le dernier qui a tenté de s'échapper s'appelait Bryce. C'était avant qu'on installe les rayons laser. Le pauvre n'a pas survécu 48 heures. Son gardien a été très expéditif. On assigne à chaque résident un gardien. Vous ignorez qui il est. Votre gardien a comme boulot d'observer votre changement d'attitude, votre comportement, votre production, ce genre de choses. Si le résident réussit à s'échapper, le gardien a pour mission de l'éliminer. Comment se fait-il que personne sache que vous existez ? Brouillage visuel, nous sommes pratiquement invisibles. Jusqu'au feu vert.
Signore, 14.000 lire, per piacere. Grazie. Bonjour, Maretta Trifioli. Oh. Je vous ai parlé au téléphone. Oui. Je suis heureuse que vous ayez accepté notre proposition. Ça me flatte. C'est très généreux de votre part, mais vous savez, ça va m'être très difficile de rassurer. Ne dites pas que vous ne voulez pas exposer votre œuvre chez nous. Vous avez reçu d'autres offres? Non, mais comme vous savez, il y a à peine 6 mois que vous avez traversé des moments difficiles, oui. Mais peut-être que cette exposition va vous redonner goût à la vie. L'ennui, c'est d'emménager à Rome, de vendre la maison, oui. Vous n'êtes pas sans ignorer que la vie est chère à Rome. Vous resterez avec nous, Origina. Nous avons amplement d'espace. Et je vais voir à ce que vous et votre nouveau-né ne manquiez de rien. Alors, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ce soir, vous allez rencontrer le conservateur du musée. Il se meurt de vous rencontrer, d'ailleurs, Catherine. Cette opération a les caractéristiques de Stavros. Ça confirme le rapport du service de renseignement sur ses activités. Mais nous aimerions savoir qui, au juste, l'emploie. J'aimerais que chacun de vous fasse une analyse de l'événement. Ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est que personne ne revendique la responsabilité. Ça a eu lieu à Barcelone. Dernièrement, les Algériens y ont dépêché des hommes. Les Algériens ne peuvent pas s'offrir Stavros. Pour moi, c'est une vengeance personnelle. Stavros travaille pour lui-même. Ce n'est pas du tout son genre, ça m'étonnerait. Ça pourrait toujours être un psychopathe. Il y a plusieurs groupes de terroristes en Espagne. Qu'est-ce que vous en dites, Jack? Jack? Non. Non? Jack, nous aimerions votre commentaire. Non, je ne crois pas que ce soit Stavros. Ce n'est qu'une imitation. J'ai ton papillon. J'ai eu pour mission de descendre Stavros, moi aussi. J'ai failli. Un devoir dont je n'ai pu m'acquitter. Il est libre comme l'air, alors que je suis prisonnier sur ce rocher. Vous avez été notre dernier espoir. Le dernier capable d'arriver à le mater. Vous aviez la poigne pour le faire. Il sait où nous sommes, d'après vous? Je n'en suis pas certain. C'est pourquoi il est si dangereux. Les agences partout dans le monde recherchent ses services quand elles trouvent que la besogne est un peu difficile pour elles-mêmes. Ironique, n'est-ce pas? Quand il était des nôtres, on le considérait comme un héros. Maintenant qu'il travaille pour quelqu'un d'autre, un bandit. Que voulez-vous? Il est fâché avec nous. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop de vous séparer de votre signe. Je me suis permis de doubler le prix.
Mon mari adorait ce signe. Il croyait que c'était une vache. À vos appartements, messieurs.
parachute! Oui. Ceinture, nous allons atterrir. Qui est son gardien? Enfin, où étais-tu passé? J'ai entendu dire que tu étais mort. Je veux de la marchandise. C'est fermé, je suis désolé. Eh ben, plus maintenant. Allez, allons-y. J'ai besoin d'armes puissantes. J'ai justement ce qu'il te faut. Tu vas passer pour un mauvais garnement, je te le garantis. Regarde-moi ça. Lunettes au laser, entièrement automatique. Il va aussi te falloir un étui. Ouh, ça c'est joli. Tu n'as pas le mal de l'air. N'en connais pas. Parce que moi, vois-tu, je voyage sur Terre, mon frère. Tu veux essayer ces nouvelles grenades? Tu payes comptant? Je paie plus tard. Oups, désolé, la boutique est fermée. Merci beaucoup. Tu peux me faire confiance. Non, désolé, mon frère, pas de crédit. Un homme mort ne paie pas ses dettes. Écoute bien, je vais te donner 3 numéros de compte bancaire de la CIA. Quand j'aurai reçu la marchandise, je te donnerai le code d'accès. Je sais pas, mon frère. Quand je te regarde, je vois que des emmerdes. Bon, et alors? J'adore les emmerdes. Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est pas un parachute, ça! Ce truc-là, c'est mieux qu'un parachute! Tu es certain que ça va fonctionner? Allons, puisque je te le dis! Non, tu es certain! Qu'est-ce que tu crois? Tu peux me faire confiance! Ah ouais? Ouais! Écoute, tu te casses la gueule, t'es remboursé! Fais-moi confiance! Allez, bonne chance! Merci! Ton point d'avenir! Donne-moi un coup de main! Qu'est-ce que tu dirais d'un coup de pied? C'est pas drôle, mon frère! Essayez autre chose! C'est ça l'amour, mon frère! Et on va les passer! C'est ça qui s'appelle la suspension, mon frère! Mais qu'est-ce qui t'a pris? T'es cinglé? T'es dingue, mon frère! T'es encore plus cinglé que mon coiffeur! Est-ce que tu l'avais essayé? Arrête! Mais pourquoi l'essayer? Je l'ai fabriqué! Je te retrouverai à la boutique, et peut-être que je te donnerai le code d'accès. Tu l'avais pourtant promis! Non. Fais-moi confiance! Jamais plus!
J'arrive. Un moment. De prendre une chambre à l'hôtel Navona à Rome. Votre bébé doit naître demain. Ce sont les battements de son cœur, alors ne soyez pas en retard. Ah, je ne prendrais pas la voiture si j'étais vous. La route pourrait être attention à la peinture. De prendre une chambre à l'hôtel Navona à Rome. Votre bébé doit naître merci. Demain. Merci. Je fais que protéger mon investissement. Ce sont les battements écoute, c'est cœur, trop dangereux pour moi. Donne-moi les numéros, je veux les codes d'accès. Cette voiture est piégée. Alors il me faut une bagnole. Je dois aller à Rome. Une bagnole, tu as dit ? J'ai des relations dans le coin. Comme je t'ai dit, s'ils peuvent la fabriquer, je peux la voler. T'aurais pu voler une plus grosse bagnole. Mais je croyais que tu voulais passer inaperçu. C'est pour ça que t'as choisi cette tenue. Mais qu'est-ce qu'elle a, ma tenue ? T'as l'air d'une grosse carotte avec des boucles d'oreilles. T'as foutu vélo ! Mais tassez-vous, bande d'abrutis ! Je les ai trouvés. Ils ont pris l'autoroute vers Rome. Cela correspond à nos informations. La femme de Quinn se trouve à l'hôtel Regina. C'est parfait. Un vrai chassé croisé. Bon. Oui, c'est bien. C'est ça. Vous pouvez vous garer à l'arrière de l'hôtel. Le courrier pour Jack Quinn? Oh, si, signor. Voilà. Merci. Oui, rendez-vous derrière l'hôtel. Un garçon va garer votre voiture. Si. Il y avait une enveloppe pour toi, mon frère. Bien. C'est pas une bombe. Peut-être que ce sont les codes d'accès. J'aimerais me faire payer. Les comptes bancaires sont des faux. Pas de paiement. En fait, tout ça se tient. Tu ne fais que mentir.
Je parie que ta colonie, c'est une autre de tes inventions. Ça ne concerne pas la colonie. Mais qu'est-ce que c'est alors? Un échogramme de mon fils. Stavros, tiens, mon petit. Retourne à Anvers. T'auras ton pognon. Je paie mes dettes. Quinn, laisse tomber le pognon. Pourquoi tu ne m'en as pas touché un mot? T'en as rien à foutre. Tu es toujours sur la défensive. Bah, je vais me lever du banc dans ce cas. La meilleure défensive, c'est de passer à l'offensive, non? J'ai raison? Ouais, t'as raison. Stavros nous impose sa règle. Il faut le remettre à sa place. Ma famille sera tuée, sinon. Mais si tu envoies un courrier électronique, toutes les agences de l'Europe vont le capter. Tu as un plan? Non, je n'en ai pas. Mais Stavros, lui, l'ignore. Alors il va faire ce qu'il croit que je vais faire. Et il va sortir de sa tanière. Ouais. Et lorsqu'il le fera, il nous mènera tout droit vers Catherine. Stavros, regardez. Il a invité toutes les agences d'Europe à l'hôtel Navona. Ah. Oh, ce Quinn est futé. À vrai dire, un homme sensé. Il veut remettre ça. Dommage. Il est trop tard. Nous vous emmenons à l'hôpital, vous y serez en sécurité. Attention, ils arrivent à vos postes. Je dois rêver, jette un coup d'œil. Oh. C'est un vrai cirque, toute la panoplie est là. Tiens, le Mossad. La police locale est aussi de la partie. Même les carabinieri. C'est inouï, ils sont tous là. Excusez-moi. Restez pas là, mon vieux. Alors, je crois que ton plan est tombé à l'eau. Patience, il va se montrer. Hé, j'ai un frère moine si t'as besoin d'aide. T'as un frère moine? Oui, c'est un moine. Rends-toi au monastère plus tard. È molto strano giù. Adesso è molto strano. Vous saviez pourtant, Jack. Je tiens toujours mes promesses. Toujours. Cessez de vous en faire, mon vieux. Je promets que vous aurez un faire-part pour le baptême de votre fils. Le noir sera de mise. Libérez Catherine. Et tuez-moi. Bien, à vrai dire, Jack, j'ai l'intention de vous descendre tous les trois. Je vois Stavros et Quinn. Attends, attends.
La partie vient de se terminer. T'es sûr ? C'est dedans. Laissez passer. Laissez passer. Où est ma femme ? Je n'en ai pas la moindre idée, mon vieux. Il est policier. Faccio io. Allô, n'ayez crainte, Catherine. Tout va bien se passer. Laissez-moi partir. Laissez passer, s'il vous plaît. Tout va bien se passer. Pardon. Excusez-moi. Ça va aller. Restez calme. Ça y est.
Jack va s'amener. Alors occupez-vous-en. Je veux qu'il en oublie la date de sa naissance. Buonasera, mon frère. Est-ce que par hasard il y aurait un dénommé... Chut. Suivez-moi. Je n'ai jamais vu ce genre de mur auparavant. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont les squelettes de mes frères. Vous êtes un ami du frère Yaz. Ce bon frère nous a rendu de fiers services, en plus de nous offrir un très bel ordinateur qui vous fera écarquiller les yeux. Salut bien! Salut bien! Je te présente mon frère Régulo. Et mon autre frère Romulo. Voici mon frère Quinn. Ces moines réunissent des informations sur la ville de Rome depuis 500 ans. Ce système a pu tout remettre à jour. Le cybermoine. Ça, c'est l'étiquette de l'ordonnance qu'ils ont laissée. Nous essayons de trouver sa provenance. Oh, ça y est! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça signifie? Qui a osé faire ça? L'Internet. Il y a 27 médecins qui ont prescrit cette même médication ces derniers jours. Marquet, nous recevons un message. Un message? Pour l'amour du ciel, d'où ça provient? Permettez. Nous recevons un message. Je vous remercie de cette faveur. Jack. Je me demande combien on pourrait tirer de ces antiquités. Je parle d'indulgence. Nous sommes présentement sous le Tibre. On a creusé ce tunnel pour se rendre à l'île de Tibérie. C'est le seul endroit où vous pourrez vous rendre à l'hôpital sans traverser le pont. Qui est surveillé par les hommes de Stavros. Bonne chance. Oui, bonne chance. Merci, mes frères. Vous raconterez tout ça, mes frères. Par courrier électronique. Allez-y, poussez. Poussez. Continuez, ça va aller. Poussez! Poussez! Merde, c'est coincé. J'oubliais, j'ai apporté quelque chose. Qu'est-ce que tu as apporté? Qu'est-ce que c'est? Une pièce de monnaie porte-bonheur. Un détonateur, ainsi que du plastique. Ah, du Semtex. Oui, mon frère. Beaucoup mieux que du ruban adhésif. Faut toujours être prêt. Il faut avoir les bons outils. Avoir tout sur soi au cas où. Merde! Pas assez de fil! Avoir tout sur soi, hein? Attends. Trouvons une pierre. Vous permettez, mon frère, c'est pour une bonne cause. Merci. Oups, raté mon coup. Ah, il faut de la pratique, mon vieux. Je déteste pratiquer, mais je ne rate pas deux fois, mon frère. Mon bébé. Thank you.
J'ai besoin d'un peu de temps, 60 secondes. Tuez les deux femmes ensuite. Là-haut! Vas-y! À l'hôpital. J'ai entendu du bruit. Qui venait d'où? De là-haut. Jack, elle est avec moi. Je croyais que tu étais mort. Ça va. Ça va maintenant. Je suis là. Ça va. Stavros. Mais où est-il? Et où est notre fils? Où est mon fils? Je sais où il est. Va chercher ton fils. Je vais rester avec elle. Merci. Je t'en prie. Mm.
Jette ton arme, ou ton petit va crever. Tu sais, Jack, tu permets que je te tutoie. Je suis prêt à parier qu'il n'y a pas une seule nuit où tu peux fermer les yeux sans voir le très beau visage de mon fils. Je vais t'accorder une chance de sauver la vie du tien. Si tu survis à l'épreuve, tu pourras connaître ton fils. Dans le cas contraire, ce sera dommage. Tu sais, Jack, l'homme est fort. Mais le tigre est plus fort. Attention, tu mets les pieds, Jack. Il n'y a rien de mal à mettre le pied sur une mine. C'est quand tu l'enlèves que ça saute. Amène-toi. Amène-toi. Allez, amène-toi. Ya. Ya. Non. Est à l'abri. Il faut ficher le camp avant que les mines explosent. Prends soin de mon fils. Je m'occupe de Stavros.
Lève ton pied, mon gaillard. Tu vas te transformer en teinture rouge. Grands pieds, Monsieur Quinn. Vous les avez mis dans les plats. Alors, qui s'est mis les pieds dans les plats, Stavros ? Ah, j'ai oublié de te le dire. J'espère que tu me pardonnes. Je sais que tu t'es donné beaucoup de peine à creuser des trous et à planter des croix ici et là. Je sais que les mines sont dispendieuses, mais j'ai pensé déplacer quelques croix. Désolé. Le tigre, par derrière ! Oh ! Où est-il ? Je cherche mon frère ! Il était là pourtant ! Jack ? J'aimerais bien me rappeler mon périple en Italie. Donne-moi un souvenir. Une mèche de cheveux. Oh, et ta chemise surtout. Tu vas me trouver rigolo. J'aurai un souvenir pour toi. Peut-être que ma pièce de monnaie va te porter chance. Ne me demandez surtout pas une mèche de mes cheveux, Monsieur Goldsmith. Vous êtes tout un magicien, Monsieur Yaz. Mon tour de disparaître. Toudelou. Toudelou.
On va encore me blâmer pour les dégâts. Je me demande combien ça va me coûter, ce... Mary, Mary, on the floor. She's looking freak, but she's much more. Lay cheek, fun cheek. She's the head of state patrol. Head to toe. My shade of peach. That's a secret she likes to keep. She likes the boys, think they're cool. But between her legs are the family jewels. Between her legs are the family jewels.